Et salut tout le monde, c'est Honorak de retour sur PZ avec Darcy. Après avoir fait un tout petit peu de rangement et ensuite changer les choses. Là, on est passé sur les bottes militaires classiques. Les miennes étaient complètement dégradées et dans un état catastrophique. On va continuer aujourd'hui tranquillou en checkant nos radis. On y va. On se fait petite voilà, prêt à récolter. Donc je pense que peut-être d'ici 2-3 jours, on sera bien. On a notre petit générateur, pareil. Checkons-le. C'est où? Info. Carburant, un peu plus de la moitié. C'est très bien. On va aller faire le tour des maisons. Tranquillou chez nous, voir ce que l'on peut démonter. Je me rappelle plus, je crois, ouais, j'ai une télé. Donc les autres télés, on va pouvoir se les démonter et monter notre électricité. Je l'ai fait lire, elle est passée de 1,5 à 2,1 multiplicateur d'XP, ce qui est plutôt bien pour pouvoir continuer. Non, ok, il n'y avait rien dans ça. On va aller checker dans le garage. Je l'ai pas encore fait manger, y a rien de fait. Oh, mais j'ai ça. Oh, bah on va se le prendre. J'avais ça juste à côté. Ok, botte d'équitation. C'est sympa aussi. Chapeau. Ok, on a des petits trucs. Oh, il fait noir. C'est la nuit, 3h20, elle a dormi, mais clairement. Clairement, petite dormeuse. Ok, ici il n'y a rien. Oh, rien de plus. Donc on va se démonter la télé. Et on va voir ce que ça nous apporte. Ok, rien de plus. Mais à mon avis, ouais, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. On va aller voir en haut s'il n'y a pas une petite radio qui traîne. Un petit truc comme ça. Hop. Je me rappelle plus. Non, c'est sombre. C'est sombre possible. 4 heures du mat. Voyons voir par terre. Rien qui traîne d'intéressant. Non. Ah, par contre, hop. Menuiserie niveau 4. C'est celui qu'il nous faut. Oh, tiens. Un vinyle. In the end. On va se le prendre. Je sais que quelque part, on a un petit tourne-disque. Ok. Hop, on en profite. Nice. Et on ressort. Bon, celle-ci, rien du tout. Juste un peu, deux, trois trucs à récupérer. Je crois qu'on a quelqu'un à la porte. Ouais. Allez. On a du monde. Allez, va. Où est-ce que c'est? C'est là. Ok. Fourchette, non. Par contre, on laisse pas ça là. Absolument pas. On met ça sur le côté. Et je crois qu'on va se mettre un petit éclairage. Ouais, il va falloir qu'on fasse un truc pour pouvoir se mettre un éclairage. Donc un générateur en plus. À voir. Si on arrive à se trouver ça, ce serait parfait. Hop. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, ça, on ferme. On va aller checker dans la maison d'à côté. Le garage. Allons-y, là-dedans, on a quoi? Clé en croix. Et ici, on n'a rien à démonter. Ah, bah, il est là. Tac, tac, tac. Allez.
on va faire ça. Ok. Rien de plus. Dans la baraque. Ici, télé. Et je pense que cette petite télé va être notre niveau supplémentaire. Enfin, niveau supplémentaire. Notre premier niveau, tout simplement. Allons-y. Yes. Haha, niveau 1 en électricité. Ça, c'est bien. Petit magazine. On prend. Bande dessinée, on prend. Et il y avait un truc ici. Programme TV, ennui et stress. On prend aussi. Pourquoi pas. Là, les deux bouteilles vides. On va prendre et on se fera un petit peu des molotov. Ennui et stress aussi. Plutôt que de cloper, ça serait bien aussi de la faire faire des, lui faire faire des trucs comme ça, mots fléchés et compagnie. La radio. On va se la prendre chez nous. Tac. Voilà. Allez, ça c'est bien. Et on va aussi prendre. Voilà, lampe extérieure. On va se faire le petit tour de la maison. Yes. Est-ce qu'on en a d'autres? Là, il y en avait qu'une. Est-ce qu'on en a derrière? Ça serait bien. Ce serait très bien. Ouais. Ah, oh zut. Loupé. Mauvais clic. Yeah, voilà. On peut prendre fenêtre, non. Carrelage, non. Ok. Donc t'es un peu lourd. Oh, le mannequin là. Tiens, oh, c'est pas mal ça. C'est stylé. Poids 15. Comment dire que ça va être lourd? Mannequin, hop, là-dedans. Non, tu veux pas, on va mettre ça là. Ok. Les lampes, on va les mettre là aussi. Voyons voir, petite blessure, on s'en fout. Grosse dépression, on va aller lui faire lire un bouquin, ça c'est pas grave. Allez, il est 6h du mat, on commence à avoir le jour qui se lève, on y voit un peu mieux. On va voir pour pouvoir se placer. Ouais, ça. Alors, on en a une devant. On va en mettre une ici. Ici. Voilà. On met ça là. C'est très bien. Ok, donc le mannequin. On va faire dans ce sens-là. Yes, notre petit épouvantail. Ok, et ensuite ici, ben, on est censé pouvoir placer. Pourquoi tu veux pas placer Hop, on va la mettre là. Tu veux pas la placer en haut? Ah si. Voilà. Ici. Allez, place. Cool. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau tout ça. C'est merveilleux. Allez, on va lui faire prendre son petit déj. Soigner sa grosse dépression. Et ouais, elle a une grosse dépression. Petit déj, petit déj, petit déj. Voyons voir. On va faire ça, évidemment. C'est très bien ça. Rôti de steak et pommes de terre. Parfait. Elle est bien. On replace. À bout de nerfs, terrifié. Eh ben, on va te faire. Hop, lire ça. On va voir ce que ça donne. Pour le stress. Ok, non. On va enchaîner avec un magazine. Voyons voir.
Non. Bon, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Menuiserie, hop, on va la mettre là. On va se placer la radio. Où est-ce qu'on va se la placer? Ici. Voyons voir. Voilà. Sur la table, nickel. Et on a quoi d'autre? Programme télé. Bon, on va le ranger. Hein. On va ranger ça. Les bouteilles vides. On verra plus tard. Pour l'instant, les molotovs, on les fait pas, mais hop, on commence à préparer. Yes, pas ici. Ici, ça rentre. Et bobine de fil. Bon, bobine de fil, bande dessinée. Et par contre, le tourne-disque. On va se faire ça maintenant. Les bobines de fil. Non, la bande dessinée. L'aiguille. Hop. Impeccable. Allez, ça. Placer l'objet. On va le mettre au bord. Go. Ça, c'est bon. Allez, option de l'appareil. On va mettre ce petit disque. Et on va aller allumer, jouer. Oh là là! Oh, le son est un peu fort. Le son est un peu fort. Voilà. Excellent. C'est excellent. Bon, mais parfait. Mais finalement, on va lui faire fumer sa clope. Ah, yes. Ça, c'est l'apocalypse, mais c'est pas grave. C'est la fiesta. Excellent, j'adore. Bon, ça va attirer tous les aides. Je laisse tourner ça juste vite fait là et après j'arrêterai. Mais alors, elle. Toujours rien trouvé. Elle est là, elle est chez moi. Donc non. Eh ben, tu vas aller, hop, briser la fenêtre. C'est pas grave. Allez. Yes. Allez. Alarme qui fait. Oh, cassette Metallica Unforgiven. Ah ben voilà. On va se mettre un petit coup de Metallica. C'est le grand n'importe quoi. Bon, on va attendre que l'alarme s'arrête, hein. Bien sûr. Pompe à pneus, bidon d'essence, bouteille de soda. Oh. Très très bien. Allez. Bon, le volume est quand même extrêmement fort. Allez, on éteint. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Ça va attirer tous les aides de la région. Bon, alors, ne parlons même pas de ça. Alors, là, je pense qu'il va falloir qu'on aille. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, du coup, là, on va aller. J'ai mes deux bidons d'essence, tout est bon. On va aller récupérer les deux véhicules. Ah, quoique d'ailleurs, du coup, pour les récupérer, ils sont à la caserne. Non, c'est pas ça que je veux. Reviens sur moi, ils sont là. Je vais y aller à pied. Je vais y aller à pied avec un bidon sur moi à chaque fois. On va faire ça. Ça va être beaucoup plus logique. Alors, je vais laisser les bidons là-dedans. Je vais prendre ceux qui sont au sol. Yes. Là, un bidon là-dedans. Et on va y aller. Oh, tiens, c'est vrai qu'il y avait cette petite barrière. Alors, on va passer par là. Ok, histoire de pas tomber sur un. Voilà. Tu m'as entendu? Je suis là. Coucou.
Voilà. Nice. Il était là. Personne. Boîte aux lettres vide. Allez. Cette petite bicoque, pareil, il va falloir... Bon, elle est à vendre, donc elle doit être vide, normalement. Oh, police. Il y en a un ici aussi. Voyons voir. Je crois qu'ici... Elle était... Ah, il y a le camion aussi, c'est vrai. Alors, à l'arrière, ça c'est vide. Hop. Pas les clés. Non. Il n'y a pas les clés. Mais lui... Lui... Ok, on est sur du 187. Ça, c'est du coffre. Ça, c'est du coffre. Nice. On n'a rien. Pas de clés. Mais lui, ça sera aussi notre but. On a deux véhicules comme ça. On a le blanc. Bon, il est endommagé. Ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen, mais oh, on a un pneu résistant. Ça c'est cool, c'est pour nous. Donc non, rien ici. Ok. Je regarde, y a pas de clé au sol. Ok, alors on arrive ici. On a elle qui traîne un petit peu ses pattes. On va l'advancer. Et on va la prendre à... au retour. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour visiter la caserne? Je pense que ça peut être une bonne idée, étant donné qu'on va avoir un véhicule avec un petit coffre. Allez, on va faire ça. On va profiter. Bonjour madame. Allez. Allez, à terre. Parfait. Alors, on va commencer par mettre le carburant dans les véhicules. Hop, ajouter du carburant. On va mettre à peu près la moitié dans chacun. Parfait. Donc, on commence par la bleue. Hop. Yes, canette, mouchoir élastique. Ça, on s'en fout. Dégagez-moi ça. Et on y va. Allez. Oh! On avait quelqu'un derrière la porte. Nice. Suite à capuche. Un trou. Non. Ok. On y va. Personne. Personne. Ok. Bon, rien d'intéressant. Des allumettes. Voyons voir là-dedans. Rien. Absolument rien. La suite, ici. On aura juste ça, la rigueur, qui peut nous intéresser. Ici. Non, rien. Rien non plus. On essaye d'être discret, d'être prudent. Ça marche. Allez. La suite. Salle de gym. Ok, personne. Ici. Personne.
Là. Hop là. Je t'entendais respirer. Je t'entendais respirer. Nice. Tu n'y échappes. Oh. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Je l'entends. Liquide vaisselle, marteau. Ok, d'accord. Rien d'intéressant. Mais on viendra chercher. C'est pas là. Où est-ce qu'il peut être? Allez, ça doit être dans le garage. Non. Peut-être là-dedans. Oh. Ça. C'est cool. Alors, hache, barrage routier. On a tout ce qu'il faut. Pantalon de pompier. Pioche. Parfait. Deux haches. Casque de pompier. Pantalon. Encore une hache. Oh lolo. Ok, tournevis. Ici, on a quoi? On a là l'infirmerie. Parfait. Alors ça, par contre, on va le prendre maintenant. Hop. Direct, c'est pas trop lourd. Ici, le masque, on va le prendre. Ok. Ça. Bandage, lingette, masque, on prend. Yes. Ça, antidouleur. Ça, on prend. Parfait. Masque chirurgical, j'en ai déjà, du coup c'est bon. Bandage, pansement, on est bon. C'est bon pour la pièce. Ici, la lingerie. Ok, tissu, on s'en fout, Javel. Lunettes de sécurité. Non, on est bon. Alors, ça continue de taper, mais on sait pas où. On va voir ici, ceinture. Casque. Ok, rien. Rien du tout. On va regarder les étagères ici. Allez. Roof light. Ok, tuyau. Il y a des trucs sympas. Mais rien d'indispensable pour l'instant. Si, ok, bêche, marteau, d'accord. Ok, ah, corde. Ça par contre, je prends direct. Parfait. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Il y en a un qui tape. Il est où? Il est où? Je sais pas où il est là. Ça doit être en haut. Non, hein? On va voir ici. Non? Non, c'est pas ici. Hein. J'arrive pas à discerner d'où vient le bruit. C'est peut-être d'en haut. Ouais. Je l'entends. Clairement. Il est là. Allez, madame. Ok. Carte de Riverside. On va la prendre. Je crois que je l'ai pas. Yes. Ensuite. D'autres toilettes. Ok. La petite chambre. Ok. Ça, ce sont les vestiaires douche. Juste vestiaire. Ok, lunchbox, on s'en fout. Botte militaire, j'en ai. Non, rien. Rien. Et rien. Hop. On va voir ici. Les chiottes, les douches. Ok, rien. Bon. Petite visite tranquillou. Hop. Ok, personne. Il devrait y avoir ici la cuisine, le salon. Est-ce qu'il y a du monde? Il n'y a personne non plus.
Le petit billard sympa. Ici, pas grand chose à lire. Oh, du café, du thé. Ouais, on embarque. Ensuite, ici, rien de plus. Bon, ben voilà, on va fouiller les placards. Et après, on va ramasser en bas ce dont on a besoin. Conserve. Ça en prend. Non. Là, là. Et là. Ok, pâté, non. Ça, on va prendre les chips. Les mac and cheese. Ok. Pourri, 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 forcément. Chocolat, on prend. Et dans le congèle, tout est pourri. On va se démonter vite fait la petite cafetière. Ok, nice. On a les pièces électroniques, on les prend. Et on se casse. Good. Allez, on prend la voiture, on la rentre. Et on va... Et on va ramener tout ce qu'il y a à ramener. Ou pas, je vais d'abord aller à la place. En fait, je vais aller la placer, je reviens pour la deuxième. Et la deuxième, je prendrai des sacs avec moi. Pour ranger dans les sacs. Allez, démarre. Yes. On a un trublion. Et ici, toi. T'as rien à faire là. Voilà. Voilà. Tout simplement. On va se mettre là. Voilà, toi là. Rien à faire, bien sûr. Ok. Est-ce que je suis bien serré? Je pense que je peux serrer encore un peu plus. Voiture, après il faudra en rajouter une autre ici, une petite. On va prendre ça, tiens. Les petites bubble lamps là. J'avais dit que je reviendrai avec des sacs. Hein. On est d'accord. Mais au final, non. Simplement. Simplement juste les voitures. Et tant pis pour. Tant pis pour le reste, ça. C'est un peu plein. Ok. On va manger. Ouais, 37, c'est quoi qui est aussi lourd que ça? 5, 3, 5, 20. Et ouais, j'ai 20 quand même. Et ouais. Bon. Pas gênant. Ouais, juste un peu ralenti. Fume ta clope. Lâche ça par terre. Ok, bon, il n'y avait pas de sac. Je pense pas avoir vu des sacs dans la caserne. Ouais, non, on videra la caserne plus tard. On va finir la barricade. Ben voilà. Avec. Juste ici. Les 4 lampes à récupérer. Hop. Non, on est bon. Ouh, t'es lourd. Hein. Ouais, t'es lourd. Mais tu peux le faire. Eh oui. Ça, c'est bien. On est à 1200 Z. Tout pile. Élimination de 1200 Z. Je crois que c'est un des plus gros scores que j'ai eu. C'est un des plus gros scores. Ce qui est plutôt pas mal. Pareil en termes de... On est à quoi? Bientôt 2 mois.
On est à un mois et demi. Un mois et demi de survie. Ce qui est vraiment bien. Alors, on va placer les petits bulbes sur le côté. On se fait la maison bien comme il faut. On se met ici aussi. J'espère que ça va pouvoir fonctionner. L'électricité. Voyons voir. Oh ouais. Ok, ici. Il y en a un là, mais on en rajoute un ici. Et un dernier sur le côté. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Et un petit dernier ici. Et voilà. Bon, par contre, du coup, au niveau carburant, ça va consommer beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Hop, info sur le générateur. On a quoi? On est à 0. Total 0,49 litres par heure. Ok. Info. Carburant 52. Très très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a du monde en... Oh! Mais oui! Mais oui, mais oui. Alors, voyons voir. Équipé à deux mains. Les chargeurs. Hop. Là-dedans. Boîte de munitions. Ouvrir. On va tester. J'ai envie de tester. Clairement, j'ai envie de tester. Voyons voir. Non, ça passe pas. Oh! Mais c'est quoi ça? Oh là là, oh là là. On est sur du... On est sur du lourd. On est sur du lourd. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Touchez pas à mes affaires. Touchez pas à mes affaires. Les gars. Oh là là, mais c'est d'avis d'où tout ça? Mais ça vient d'où tout ça? Ok, bah écoutez, un peu d'animation, c'est parfait. On était parti sur une journée plutôt tranquille. Hop. Allez, on enlève des buffs. On enlève les debuffs, je veux dire. Allez, petite clope. Fume. On va pouvoir enlever que ça de toute façon. Voilà. Ah, j'ai pas compris. On a eu une horde là d'un coup qui a dit on arrive. Yes. Allez. Voilà, tout cela. Tout cela. Yes. Ils m'ont démonté mon portail, les bâtards. Mon portail, les bâtards. Je rêve. Je croyais les avoir attirés. Vous allez prendre cher. Vous allez prendre vraiment cher, les gars. Allez. Boîte. Ok.
Moi je vous le dis, ça va pas se passer comme ça. Un portail que j'ai mis du temps à faire. Alors là. Voilà. Allez, venez là, là. Bande de trous de balles. Hein? Parce que c'est ce que vous allez avoir, des trous de balles. Ok. Alors, je me demande bien combien il peut en rester. Surtout s'il y en a qui sont rentrés dans le quartier. Va falloir qu'on règle ça. Allez. On est là. Ça a l'air d'aller ici. Oh, ils m'ont pété là. Ils m'ont pété ici. Oh. J'ai une horde itinérante là. Il est en train de me péter ma barricade. Allez, petit bêta bloquant. On va en prendre. Ça marche. Hop. Petite fin. Petit paquet de chips. Vas-y. La fatigue. On peut rien y faire. Donc on s'en fout. Ok. D'accord. Allez. Commence à être essoufflé, mais ça va le faire. Tu cours doucement, mais tu cours. Oh punaise. Faut que je prenne l'habitude de regarder ça. Ça c'est ouf. Hein. Allez. Étant donné qu'on avait déjà fait le ménage, il n'y aura pas grand monde autour. Il n'y a que. Ah oui. Hop là, ne tentons pas le diable. Là, ils m'ont eu. Clairement. Clairement, ils m'ont eu. Mais qu'est-ce que tu me fais là-haut, toi? Mais qu'est-ce que... J'y crois pas. Ah, le type. Allez. Ok. Ah, j'ai plus. Ok. J'ai plus de... Allez. Tu tapes. Moi aussi je tape. Allez. Allez, regarde. Je vais taper sur mon mur. Je rêve. Je rêve. Non. Oh non. Ah non, hein. Non, me dis pas que...
Elle est fatiguée là, mais. Ok, d'accord. Ok. On tombe, on tombe, on tombe. Oh là là, c'est. On revient au début où elle n'était pas encore assez aguerrie. Ok. 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 Et toi là-haut. Allez, viens là. Allez. Voilà. Ok, bon. Ça, c'est fait. On vient de se faire rect, mais alors correctement par par des Z, une horde. Petite horde de passage, là, là, là. Bon, et eh ben, reste plus qu'à reconstruire, mais bon, ça va que c'est du bois. Mais d'où l'utilité d'aller placer eh ben, la double barrière, on est d'accord. Je reviens sur le commentaire qu'on m'a donné. La double barrière, et je pense avec des voitures. Avec des voitures pour pouvoir faire barrière encore plus, quoi. Voilà, et eh ben, elle va aller, hop, vider tout ce qu'elle a sur elle. Si elle peut, évidemment, c'est toujours pareil. Ça rentre pas ici. Ça, c'est bon. Les chips, hop. Chocolat, hop. Le sachet de thé, il y rentre. Il y rentre même pas. Non. Elle est épuisée. Elle est à bout. À bout complet. Allez, on va choper tout ce qui va là-dedans. Le désinfectant, bandage antibio, antidouleur, allumette, allez go. C'est parti. Ok, bon le reste on va garder pour l'instant et on sera bon. Bon les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Bah écoutez, elle a renforcé sa palissade, elle s'est fait défoncer de l'autre côté sa palissade. Une petite horde de zombies qui est venue nous voir bien gentiment, hein, bien sûr. Donc on va se reposer, on a réussi à poser aussi les éclairages tout autour de la maison, ce qui nous permet d'être un peu plus safe quand on se déplace. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.